Salut tout le monde, c'est Tarask. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Diablo 3 ce coup-ci. J'avais envie de vous faire partager mon petit run XP pour le féticheur. Donc j'essaierai de vous faire une petite vidéo sur la façon dont j'XP chaque héros, voire une ou deux suivant s'il y a plusieurs manières. Donc aujourd'hui je m'attarde au féticheur. Et là c'est vraiment un run XP qui va se faire donc en Armageddon PM1 et qui est basé sur un seul sort, la sauterelle. Voilà, tout le stuff est en conséquent choisi par rapport à la sauterelle. Je vais regarder. Hop, si j'ai pas de problème. Alors, au niveau des quêtes. Ah oui, je vous ai pas montré la quête. Donc, on va recommencer. Au niveau de la quête, vous prenez la dernière quête de l'acte 1. Voilà, donc retour à la Nouvelle Tristram. Armageddon, PM1. Pourquoi PM1? C'est parce que ça va super vite de tuer les mobs avec la sauterelle. Voilà, alors au niveau du stuff, donc tout est balancé sur ce skill en particulier là. C'est tout concentré sur la nuée de sauterelles qui fait donc 360% des dégâts de votre arme, c'est du poison. Et avec la gemme pestilence, enfin la gemme, la rune pestilence, donc pour que ça ait 100% de chance de plus de se déplacer sur les ennemis. En gros, la nuée, hop, va toucher un ennemi qui va en toucher deux, qui va en toucher deux, qui va en toucher deux, donc voilà, ça se déplace. Au niveau du stuff, donc la nuée de sauterelles n'est pas affectée par les coups critiques, c'est un dot. Donc on prend de l'intelligence flat, surtout. C'est très important d'avoir beaucoup d'intelligence pour maximiser les dégâts. Et du stuff qui augmente les dégâts de nuée de sauterelles. Donc moi je conseille le visage de Jiuya, c'est de Jiuya, ouais, je sais pas trop bien le dire. C'est vachement pratique. Un kaléidoscope de Mara. Une pierre de Jordanie. Si on peut l'avoir en poison et avec une nuée de sauterelles, c'est parfait. Je vous rassure, j'en ai pas eu pour très très cher hein, de ce stuff. Il y a eu 2-3 parties lootées, 2-3 parties achetées à l'hôtel des ventes, mais ouais, pour à peine 100 millions, je crois. Et après, tout ce qui peut faire de l'intelligence. Là, j'ai pris le petit combo pour avoir de l'intelligence, et puis je sais plus ce qui m'intéressait d'autre. Ouais, j'ai essayé entre ça et une scorne, les dégâts sont quasiment les mêmes. Hein. Donc une scorne, ça vaut que dalle, maintenant on en trouve même à moins d'un million. Et surtout du rayon de ramassage aussi, très important le rayon de ramassage. Voilà, donc ça c'est pour le stuff, intelligence, dégâts nuée de sauterelles, rayon de ramassage. Au niveau des skills, je vous montre ce que j'ai pris. Bon, le plus important, c'est bien évidemment la nuée de sauterelles. Après, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Je conseille quand même un sort de zone. Donc là, j'ai pris la bombe incendiaire, mais il y a aussi le sort. Je sais plus comment ça s'appelle, l'espèce de flaque de vomi qui tombe du ciel. Là. Le nuage d'acide, voilà. Avec la gemme dans les 23 mètres ou 24 mètres, voilà, dans les 24 mètres aussi, qui fait une grosse AOE, c'est vachement pratique. La moisson d'âme, très important, ça vous donne 130 d'intelligence par ennemi affecté, on peut en avoir 5, donc 5 fois 130, ça fait un bon buff. On les a, des chiens zombies et le gargantua. La marche fantôme, c'est toujours pratique, ça redonne de la vie, ça permet de se libérer de tout effet d'entravement. Et en passif, le festin de mort. Très important, puisque ça donne un bonus de 10% d'intelligence par globe, on peut le cumuler 5 fois aussi. Et voilà, on soigne le mana aussi. Percer le voile qui augmente les dégâts et le coût en mana. Et la fin tragique, très très important aussi, qui permet de spammer les sorts, puisque à chaque fois qu'un ennemi meurt dans les 8 mètres, les temps de recharge des capacités sont réduits de 1 seconde, et c'est augmenté par la portée de ramassage. Ce qui fait que moi, au niveau des stats, là j'ai 29 mètres. Oui, j'ai plus mon super stuff rayon de ramassage, j'avais réussi à monter jusqu'à 69 mètres. Voilà, mais rien que 29 mètres, c'est très intéressant. Donc voilà pour le stuff et les skills. Hop. Et maintenant on va faire le petit run. Donc on va regarder. C'est 12h35 et je suis level 20 avec 2 bulles d'XP. Voilà, un tout petit peu plus, à 7 millions sur 36 millions. Voilà. On va voir en combien de temps. Enfin, le temps du run, ce que je vais prendre comme XP. Donc on commence. Enfin, moi je commence par le bois putride. Donc je revendique pas ça du tout comme étant le meilleur run ou le run le plus rentable, etc. Mais c'est juste vachement pratique. Voilà, on sauterelise, alors je lag un peu, c'est normal. On sauterelise et on se déplace. Voilà, et les mobs fondent. Et c'est parfait, bon, il y a un petit élite. Alors pourquoi le bois putride? Parce qu'ici on peut choper, si on a de la chance, les 5 stacks Néphalem d'un coup. Très pratique.
Voilà, le rayon de ramassage, c'est parfait. Avec les buffs, j'étais à 3000 d'intelligence de base, je suis monté à 5005, je monte jusqu'à 5009 là au maximum. Donc voilà, on met la sauterelle et on court. Hop, la petite AOE de temps en temps. Si vous avez la chance d'avoir de la vie par coup, sachez que ça marche sur la nuée de sauterelles. Le leech, le vol de vie ne marche pas. La vie par coup marche, donc ça c'est absolument génial. Vous êtes quasiment increvable. Et voilà, on se met en PM1 vraiment pour XP rapidement. Là, j'ai monté mes 20 levels de parangon en très peu de temps. Voilà, on fait rapidement les élites. Voilà, petite essence démoniaque. Ça, je ramasse parce que c'est important pour le craft. Hop, et voilà, on sauterélise et on court. On a un petit coup, on a la petite AOE. Et voilà, et on court. Vous voyez, avec les gens qui meurent, comme je peux flouder mon skill 1, la moisson d'âme. J'ai pu le faire 3 fois de suite dans le pack. Le rayon de ramassage, ça me permet de ne pas manquer de pièces d'or. Voilà, on met la sauterelle et on court. Hop. Voilà, donc j'en suis à 2 stacks. Sachant qu'il y a une autre grotte, j'aurais au moins sur un troisième stack. Alors j'essaie de la trouver assez rapidement. Voilà, on sauterélise, on court. Il y a souvent aussi un petit event à faire ici qui donne un stack. Ah bah un autre élite, c'est mieux qu'un event, ça va plus vite. Voilà, donc la marche fantôme. Ah bah non, j'ai même pas été gelé, je pensais qu'ils allaient au moins me geler, mais pas du tout. Voilà, donc là je le fais pas de la manière la plus rapide, la plus optimale qui soit, hein. Je prends le temps de vous parler, de courir tranquillement, de zioter la carte. Mais bon, en vrai, c'est vraiment un run, un petit run no brain quoi. On court, on balance la sauterelle. On court, on balance la sauterelle. Voilà, je crois que la petite caverne va être par là. Vous voyez, rien qu'ici, j'ai quasiment pris. J'avais un petit peu pris de la bulle. Là, je vais être sur la fin. Donc, voilà, avec la caverne, je vais quasiment avoir pris une bulle d'XP en 4 minutes. Donc voilà, je le répète, je dis pas que c'est le plus rentable ou quoi que ce soit, mais ça change un peu, c'est Fandar. Et là, on est juste à faire les stacks. Hein, le run a commencé, mais c'est pas ici qu'on se fait le plus d'XP, c'est sûr. Donc, j'ai esquivé une fois de plus, mais si je me faisais geler, je pourrais utiliser mon skill 3, là, la marche fantôme, pour me sortir de l'effet d'entravement. Ah, attendez... Voilà, un petit collègue qui me cause. Donc oui, mon féticheur s'appelle Wololo. C'est par rapport aux cris que font les prêtres dans Age of Empires, pour ceux qui se souviennent, les prêtres quand ils invoquent Wololo, Wololo. Je trouvais ça absolument génial, du coup je me dis que ça allait correspondre parfaitement au féticheur. Voilà, bon, j'ai 4 stacks, donc je peux aller à l'autre partie du run, où je chopperai mon 5ème stack là-bas. Alors, on va aller au champ du malheur, et c'est pour ça qu'il faut obligatoirement être au minimum en PM1 pour bénéficier de l'ajout de mobs qui a été fait à la dernière mise à jour. Et là, vous allez voir que les champs du malheur, c'est le paradis pour Pex. Voilà, je suis au début de ma 4ème bulle d'XP, c'est 12h40, donc on a commencé le run il y a 5 minutes. J'ai déjà fait une bulle d'XP. Voilà, et là c'est freestyle. Là, on sauterise en cours. Et voilà, avec ma magnifique chance, je tombe sur le porte-clé alors que j'ai que mes 4 stacks. Donc je saurai qu'il se trouve en haut. Il me faut rapidement un élite.
Alors ici, le principal danger, c'est la charge des bêtes. Et le poison des arbres aussi fait très très mal maintenant. Mais la charge des bêtes, faut pouvoir la tenir. Ah bah, il y a un élite là. J'ai même pas vu dans le tas. C'est un élite fouisseur, il se cachait sous le sol. Voilà, j'ai mes 5 stacks, donc je vais pouvoir tuer le porte-clés. Bon, on est en PM1, on se fait pas trop d'idées, mais... on ne sait jamais. Ça arrive que la clé tombe de temps en temps. Pas comme là. Une petite armure d'archon, on va la prendre au cas où. Même si ce qu'on peut faire avec les crafts maintenant, c'est bien mieux. Alors, et j'espère avoir la chance, parce qu'il y a une caverne dans les champs du malheur, qui est la meilleure caverne pour XP d'après moi. Et j'espère avoir la chance qu'elle pop et que je puisse vous la montrer. Hop, voilà, on se trilisait, on court. On a un petit coup de base au cas où. Alors j'espère que ça ne laggera pas trop lors du rendu final de la vidéo, parce que moi je lag un petit peu. Ah, on se trilise un coup, on fait le petit buff d'intelligence qui refresh tout seul, hop. Ah, on continue, on se trilise un coup, vous pouvez regarder la barre d'XP qui monte relativement rapidement. Ah, les premiers levels de Parangon, c'était rigolo. En 5 minutes, on prenait un level. Hop, voilà, on s'autorisait, on court. Un peu de patience. Voilà, ça se déplace vraiment rapidement, hein, des sauterelles. Tant qu'on court, ça se déplace avec nous. Vous voyez, si je reviens en arrière, tous les mobs sont morts. Hop, alors je récupère ma vie parce que j'ai du leech sur l'arme. Si vous avez de la vie par coup, les sauterelles vous redonneront de la vie. Avec le leech, eh ben, c'est ma moisson d'âme qui me rend énormément de vie. Bon, est-ce que je vais avoir la chance d'avoir cette caverne? Je serais vraiment content si je pouvais la voir et vous la montrer. Voilà, en tout cas, je le répète, ce run, je dis pas que c'est le meilleur, et c'est vraiment pour l'XP, hein, c'est pas pour dropper ou quoi que ce soit. C'est vraiment si vous voulez monter rapidement level 100 de Parangon, pour ensuite pouvoir aller dropper, parce que vous aurez plus de chance avec les levels. Alors, y a rien par là, j'espère vraiment que je vais avoir cette petite caverne. Je trouve la caverne quasiment aussi rentable que l'ensemble des champs du malheur. Si je l'ai pas, ça va me rendre comme le panda du harcèlement sexuel. Ça va me rendre très triste. Vous voyez, je suis à la moitié de mon level là, j'ai commencé le run, j'étais au début de la troisième barre d'XP. Là je suis à la moitié de mon level et on l'a commencé à 35, c'est 45, ça fait 10 minutes. Donc bien évidemment, oui, je l'ai pas mentionné dans le stuff, mais avoir un casque sloté avec une gemme d'augmentation d'XP et un anneau infernal... pour le plus 35% d'XP, ça me semble obligatoire. Voilà, le petit event. J'ai l'impression que je vais pas avoir de chance et que je vais pas avoir cette petite cave.
On peut pas 100%, hein, c'est une petite cave aléatoire. Je pense que j'aurai l'occasion de vous la remontrer dans un autre run XP avec un autre personnage, puisque de toute façon, je pense que je vais XP tous mes personnages avec ce run là. Hop, oui, on sait que ta femme va perdre la tête. Mon amour. Intéressant. Là, il crève. Oui, je commence à bien avoir retourné la map. Là, il reste plus grand chose. Il faut vraiment bien retourner tous les champs du malheur. Il y a vraiment des mobs partout. Le bas, j'ai pas tout fait, hein, je vais pas avoir cette cave. Tanière des caseras, la mine abandonnée, la cave du fermier. Enfin, je crois qu'elle pop à la place de la mine abandonnée, justement. Et c'est un genre de crypte, je sais plus son nom. Il y a plein de merdes de misère en fait qui crachent des mobs. Donc dans un couloir vous allez peut-être avoir 5 ou 6 mobs devant vous et d'un coup vous allez en avoir 70-80. C'est vraiment impressionnant et tous ces mobs XP, donc je vous laisse imaginer avec la sauterelle comme c'est juste magnifique. On va tout faire ici. Donc là on va arriver sur la fin. Les esprits vident mon bras. Un peu de patience. Voilà, on fait bien toujours jusqu'au bout. C'est vraiment des mobs de partout, hein. La concentration de mobs sur les champs du malheur là, elle est vraiment devenue énorme. Voilà, donc là on a fini les champs du malheur. Bon, on n'a pas eu de chance, on n'a pas eu la petite cave. Donc généralement, moi je m'en arrête là. Quand je fais mon run, je m'en arrête là. Je fais donc le bois putride pour les stacks, les champs du malheur, et puis la magnifique cave qui donne Gratpex. Après, quand je suis motivé, je peux faire au cimetière les trois cryptes aussi. J'aime bien de temps en temps. Donc voilà, vous pouvez enchaîner sur ce que vous voulez. Le run dure à peu de choses près. Hein. On a commencé à 35, c'est 49. Donc à peu de choses près 10, 15, 20 minutes. Ça dépendra du stuff, de la difficulté et tout. Et ça donne pas mal d'XP. Vous voyez, hein, j'étais au début de la troisième barre. J'ai dépassé la cinquième. Hop, ouais, non, hein, je n'aurais pas eu cette cave du tout. Elle n'aura pas pop, tant pis. Donc voilà, hein, pour 10 minutes d'XP, j'étais à je sais plus combien de millions, je devais être à... Ouais, non, je sais même plus, il faudrait regarder au début de la vidéo à combien de millions d'XP j'étais et voir combien j'ai pris. Donc voilà, et là pour... je vais continuer parce que justement je pense à quelque chose, je me dis qu'ils ont rajouté pas mal de mobs dans les champs du malheur, alors je vais aller voir dans le Val Plaintif s'ils en ont rajouté aussi. Donc normalement le run s'arrête là, hein. Je vais pas du tout au Val Plaintif. Et là j'ai... Je sais pas pourquoi, je suis en train d'y penser là. Il me semble que c'était juste en dessous là. Ouais, juste avant les champs du malheur.
Ah non, c'est le cimetière. Ah d'accord, ici, oui, je peux... Je peux retourner. Ah bah oui, il y a le cimetière avec les trois cryptes. Et le Valplaintif, c'est juste avant. D'accord. Bon, on va voir si on, s'ils ont rajouté des mobs ici aussi. Donc là, c'est un petit bonus, hein, un petit surplus. Je sais pas du tout si c'est rentable comme zone. Voilà, mais en tout cas, la cave comporte plein de mobs comme ça qui crachent d'autres mobs. Et tous XP, donc c'est pas mal. Hein. Oh, il y en a 2, 3, je ne me souvenais pas qu'il y en avait autant avant. Ah, il y a des mobs qui explosent. Sanctuaire avec mon rayon de ramassage. Voilà, et on continue. On sauterelle. Voilà, sauterelle qui tique à 20k, c'est sympa. Oh, il y a quand même 2-3 petits mobs ici. Bon, bien évidemment, dans les couloirs de l'acte 3, ça va aussi tout seul. Ah, il y a quand même quelques mobs en plus, hein, par rapport à la version normale du Valplaintif, il y a quelques mobs en plus. Bon, ils sont tous morts. Mais ça vaut pas, pas du tout les champs du malheur. Niveau XP, ça vaut pas du tout. Il faut attendre. Voilà, non, bah, retenez bien le bois putride, les champs du malheur, la cave à XP si vous avez la chance de tomber dessus. Je sais plus comment ça s'appelle, ça va être crypte profanée ou un truc comme ça. Pourtant je la fais je la fais quasiment à chaque fois. J'ai vraiment pas eu de chance pour cette vidéo qu'elle ne soit pas là. Mais bah, ça va être crypte profanée, c'est ça. Je frappe là où ça fait mal. Il y a un petit Valplaintif. On va quand même donner une demi-bulle en prime, c'est pas négligeable. Bon, après je suis que level 20 par angon, c'est sûr que plus on monte dans les levels, plus c'est long. Hein. Les premiers levels, là en 2 minutes, vous les prenez, c'est vraiment super rapide. Moi, au début je trouvais ça génial. Bon là ça reste quand même rapide. Mais quand je joue avec le sorcier où je suis quoi, je suis level 55 je crois de parangon, ça va pas aussi vite. Hop, on sauterelise, on sauterelise. Enfin bon là j'ai aussi pris mon temps pour bien expliquer, bien faire le run. Le fait que je joue et que je fasse la vidéo en même temps, je lag un petit peu. Merci la connexion, c'est sûr que ça va pas venir du PC, ça vient de la connexion. Il y a quand même 2-3 mobs ici, hein. Ça peut être sympa si vous voulez. Si comme moi des fois vous avez pas envie d'arrêter votre run, vous cherchez une petite zone, et ben. Ça peut être sympa. Ça m'intéresse pas. Ouais, c'est assez grand aussi le Valplaintif au final. Bon, et là, je pense qu'on va avoir terminé la zone aussi. Et voilà. Et bah sur ce, on va s'en arrêter là pour ce run, donc qui a été plus long que prévu, mais c'était un petit test, mais au moins voilà,
Je tombe sur une bulle remplie totalement, j'aime pas quand ça dépasse. C'était pas du tout prévu, hein, je tiens quand même à le préciser. Donc n'oubliez pas, hein, le stuff sauterelle, les skills, et puis bah, le bois putride et les champs du malheur. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des commentaires constructifs, hein, de préférence. Je vais pas vous manger. Et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.